Chaque année, le carnaval du Beauvillé chasse l'hiver et célèbre la renaissance du printemps. C'est au printemps que la nature se transforme. Les villes fêtent le retour de la vie avec le carnaval. Puisé dans les cultures berrichonnes, le carnaval du Beauvillé s'inspire des rites des carnavals ruraux qui donnaient lieu à de grandes liesses populaires. C'est un clin d'œil aux réjouissances d'antan, où les bœufs gras étaient promenés dans les cités, au son de la vielle ou de la viole avant le carême. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se déguiser, de ripailler et de s'amuser. Comme le veut la coutume, tous les Montluçonnais et visiteurs se retrouvent autour de diverses activités. Petit déjeuner en pyjama, animation musicale, bataille de confettis, défilé, maquillage sans oublier le spectacle pyrotechnique. Nous sommes place Jean Jaurès, au pied de l'hôtel de ville. Et nous avons réuni pour le petit déjeuner en pyjama 10 écoles, dont une de désertines. Et ça représente 700 enfants qui vont toute la matinée petit déjeuner avec du chocolat, bien sûr, et puis des viennoiseries. Avec une ambiance jazzy, un groupe de musique là-bas qui joue toute la matinée. Et puis aussi. Des jeux pour que les enfants se détendent avant de retourner en fin de matinée dans leurs écoles respectives. Voilà, et bien sûr les enfants seront accompagnés de certains parents, ce qui va représenter sur la matinée à peu près 1000 personnes sur le site. Encore une belle fête, et Carmentro surveille tout ça.